Are you drunk or not? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. Tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm healing on energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. Nous accueillons à présent Eric Assoun et Marc. Vous allez nous le présenter, Marc Amok. Voilà, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Salut, Franck. Rubrique tourisme. Tout à fait. Allez, on va décoller. Voilà, eh ben, on est très content de recevoir Marc Amok, Oneg Loisirs. Hein, les tout séjours, à fait. Le ski, Pessar, tous les séjours cachers. Tout à fait. Oui. Et donc, on va parler un petit peu de Oneg Loisirs, hein, Marc. Avec on grand va parler plaisir. Aussi de toi. Avec plaisir. Dis-nous, parle-nous un peu de Oneg Loisirs. Comment ça a commencé, Oneg Loisirs? Déjà, avant d'expliquer un petit peu Oneg Loisirs, comment on a commencé, je voudrais d'abord souhaiter une longue vie pour cette très belle initiative Allogi le live. Merci beaucoup. C'est une excellente idée. Il y a déjà eu une première émission qui a eu beaucoup de succès. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de succès, des gens qui vont apprécier. Dieu veut, merci. Alors, Oneg Loisirs, c'est très simple. Le mot veut dire Oneg, loisir. Oneg, c'est le plaisir en hébreu, Oneg. Nous avons commencé en 97, donc ça fait pas mal de temps. On est parmi les premiers. Et disons, moi et des amis, nous étions déjà dans les colonies de vacances, dans la formation de moniteurs, de directeurs, des cadres de centres communautaires. On a eu l'idée, avec un ami qui s'appelle David Marciano, de créer les loisirs pour les adultes, pour les familles. Et grâce à Dieu, ça se passe très bien. Et la dimension Oneg Loisirs, c'est le mot Oneg, ça veut dire il y a le mot le plaisir, mais c'est aussi Oneg Shabbat. Vous voyez, donc il y a quand même dans nos séjours, il y a un caractère quand même de kiff, mais également une dimension éducative, spirituelle. Tous nos séjours ont toujours une connotation où il y a un message qui passe, il y a des cours, il y a des conférences, mais aussi beaucoup de plaisir. On allie modernité avec spiritualité. Voilà, ça a du sens. Et voilà, on est très contents, les gens apprécient. Ils repartent tous avec quelque chose, avec plein de souvenirs vacances, déjà. Des souvenirs, plein de souvenirs.
plein d'émotions. On aime créer les émotions, c'est très important. Et puis voilà. Alors, parle-nous de toi. T'es un passionné de voyage pour pouvoir organiser. Parce que c'est pas facile d'organiser. Tu dois être un passionné de voyage. On est passionné surtout quand on fait ce genre de métier. C'est de communiquer, de donner. Voilà. On aime donner, on aime créer de la joie, on aime créer de l'émotion chez les gens. Et il y en a qui en ont besoin toute l'année. Il y a des gens qui sont seuls. Il faut savoir que des gens attendent Pessah d'année en année. Et ils l'attendent avec impatience. Et grâce à Pessah, ils vont passer avec nous, eh ben ils vont garder ce capital plaisir émotionnel pour toute l'année. Pour le reste de l'année. Rien que pour ça, pour ces gens-là, ça nous donne l'envie de continuer et de persister dans ce qu'on fait. C'est magnifique. Alors, j'ai même entendu dire que tu as organisé des voyages très loin, des voyages en Amérique latine, des voyages en Inde. Tout à fait. C'est très original. Comment on s'organise au niveau logistique pour à la fois sécuriser le voyage, trouver les idées de circuit, les choses à visiter, la cache-route sur place? C'est une vraie organisation. Bon, déjà, on a une demande. C'est-à-dire que les gens veulent partir ailleurs et en formule cachère. Parce que partir seul, on peut partir seul. Mais en cachère, ce n'est pas évident. Donc, on fait appel à des organismes sur place. Par exemple, en Inde, nous avons fait appel à un organisme qui s'appelle India Kosher Travel. On a fabriqué avec lui tout le circuit. Et on a choisi des hôtels, on a choisi les visites. On a fait tout de bout en bout et ça s'est très bien passé. C'était l'année dernière, en novembre, on a eu à peu près 35 personnes. C'était vraiment exceptionnel. Super. Nous avons enchaîné en Argentine l'année dernière. C'était magique. On a fait même le bout du monde parce qu'on a été à Ushuaïa. On a été à Ushuaïa en cachère, exceptionnel, avec des visites incroyables. Et les gens, jusqu'à maintenant, ils en demandent. Et il y en aura d'autres. Donc c'est pas du sur-mesure, mais presque. C'est-à-dire que vous sortez des sentiers battus. Bon, voilà. Il y a les destinations, on va dire, classiques. Mais vous essayez sans cesse d'innover. Absolument. C'est l'idée, c'est d'innover et d'aller là où, a priori, c'est compliqué. Et avec un groupe, c'est un challenge. Le fait que ce soit compliqué, c'est un challenge pour nous. C'est ça qui nous donne envie de continuer et d'aller encore plus loin et plus loin. Voilà. Écoute, Marc, je sais que c'est depuis un an et demi, c'est un peu difficile d'organiser les séjours avec le Covid, mais je sais que tu as quand même organisé Pessah. Et le ski en Suisse. C'était donc pas évident, on a réussi à passer quand même. C'était un succès. Voilà, en fait, l'idée c'est quoi? Avec le Covid, on baisse pas les bras. Avec le Covid, on commence à se projeter. On commence à imaginer des séjours et même des alternatives. Si ça marche pas cette solution, on a une autre solution. Donc on a commencé avec le séjour de ski. A priori, c'était impossible en France. Mais oui. On avait une possibilité en France, mais on avait également une possibilité ailleurs. C'était en Suisse. Et on surveillait tout le temps si on pouvait y aller ou pas. Finalement, on a pu passer. On a fait une semaine de ski incroyable, magique. Et ça s'est très bien passé. Certes, il y a des règles de Covid à respecter, mais ça va, les gens commencent à s'habituer. Oui. Et ensuite, on a enchaîné Pessah. On devait faire en Grèce avec le club Neswan. Avec Daniel Royon, donc on a dernière minute, c'était vraiment extraordinaire. Avec Daniel Royon, on a réussi à basculer en moins de 3 semaines en Croatie, où le Covid était plus faible et les règles beaucoup moins strictes. On a pu faire un séjour exceptionnel dans un hôtel exceptionnel, le Méridien, et on a réussi à avoir quand même 350 personnes. Et c'était vraiment une très belle réussite. Et vous avez pu tous rentrer avec vos passagers, vos très vos bien, touristes. Très très bien, zéro Covid sur place. On a respecté les règles et on est rentré magnifique, tranquillement. Magnifique. Et les gens sont très contents. Et ils en redemandent pour l'été prochain. Alors justement, l'été prochain, quelles sont voilà, les destinations les alors, parce qu'il y a un peu d'exotisme, j'ai cru comprendre. Oui, alors, cette année, c'est un peu particulier. Vous savez que l'an dernier, on n'a pas pu faire les séjours en Grèce, initialement prévus à Pessah. Mm-hmm. Et finalement, on a pas mal d'avoirs qu'on va pouvoir satisfaire, qu'on va pouvoir enfin honorer. Et on aura probablement un très bel hôtel en Crète, on va le dire en avant-première, en Crète, chose qu'on a rarement le mois d'août. Il faut savoir que oui, la Crète est vachement demandée, les prix sont extrêmement élevés. C'est une année un peu particulière, on a réussi à avoir quelque chose et ça va être un très 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 beau club en août, si Dieu veut. Alors, Amérique du Sud aussi, je crois. Voilà, le dernier scoop, c'est qu'on va faire quelque chose de sympa. Pas l'Amérique du Sud parce que c'est compliqué avec le Covid. Mm-hmm. On va probablement faire le Costa Rica-Panama. Fin magnifique d'année, début de, 20, vers le 20 décembre. Il fait très beau à cette époque. Il fait très très beau. Puis il y a un programme extraordinaire. C'est destiné pour les couples, mais également pour les familles, avec un programme très très riche,
avec des découvertes incroyables, un programme vraiment exotique qui sort des sentiers battus. On retrouvera tous les séjours sur le site internet onegloisirs.fr. Tout à fait. Contactez Marc Amok. Voilà. Il y a toutes les coordonnées dessus. Voilà. Et tu mets à jour le site régulièrement. Voilà. Juste préciser une dernière information, que le prochain séjour aura lieu en Crète. D'accord. Avec l'association Talorod de Roland Aidan. Voilà, on je va pense peut-être qu'on est... recevoir... Avec plaisir, il fera un plaisir de venir dans les studios. Voilà. On le salue. Voilà. Et on te remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu. Bon vent, c'est ce qu'on dit à un professionnel du voyage. Voilà, on essaie de donner du plaisir à tous nos amis, à toute la communauté, et on vous attend pour cet été. Merci beaucoup à vous. Pour tout ce que tu fais pour la communauté. Bravo. Merci Marc, merci Oneg Loisir, et merci Franck. Merci, à bientôt. Merci.